Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur un jeu qui refuse de se lancer. Bienvenue sur Division 2. Ah oui, le jeu est bien, le jeu est lancé. Le jeu est lancé, un gros jeu. Bon, j'en profite, hein, que le jeu ne veuille pas faire grand chose. Au moins, il y aura peut-être une solution pour débugger ce genre de problème, si ça se lance vraiment pas. Et ça se lance vraiment pas, donc. La solution, vous allez dans votre gestionnaire de tâches quand ça marche pas. Petite astuce. Vous cherchez votre processeur qui doit traîner quelque part dans le coin, voilà. Là, il n'y a qu'un giga, c'est pas bon. Donc, vous fermez. Hop. Voilà. Et vous revenez. Et là, normalement, ça marche. Voilà, là, ça marche. Donc, voilà. Solution pour débugger. En attendant, bah, j'ai plus beaucoup de contenu. J'ai réglé mon problème de saturation, je pense. J'ai quitté mon modificateur de voix. C'est bizarre, ça marche mieux. Je profite pour les annonces de la chaîne. Parce qu'il y a des nouveaux let's play qui arrivent. Et des previews aussi qui arrivent. Il y a un jeu sur la piraterie qui revient. Ben, en fait, ce jeu, c'est un mini-jeu, un free-to-play. Quand je l'ai lancé, c'était au tout début, quand j'avais encore le vieux MacBook Pro, ce qui était avec une AMD, une carte graphique AMD de 1 Go, c'était la dèche absolue. C'était, ben, littéralement, c'est Sea of Thieves Lite, hein, Sea of Thieves en free-to-play, et c'est fun. Et je m'attendais pas à faire de la vue, sauf qu'il y a un épisode, il a fait 700 vues. Je m'y attendais pas du tout. Donc j'en ai refait un, très court pour l'instant, mais j'en ai refait un. Sinon, il y a du jeu plus récent qui arrive. Icorsu 2B, je te salue et je te remercie parce que tu m'as conseillé. En fait, tu as parlé d'Outrider en commentaire. Et ça m'a intéressé. J'ai tourné 2 épisodes dessus. Et le jeu est fun, hein, le jeu est super fun. En fait, c'est un croisement entre, avec le côté un peu bourrin de Borderlands 3, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. Avec un petit côté Warframe. Futuriste Warframe, et un côté Division 2, c'est un croisement des trois jeux, mais comme c'est un peu un Division 2, mais avec le côté bourrin de Borderlands 3 où tu peux foncer dans le tas, et c'est jouissif, honnêtement. Tout en ayant le côté spécialisation de Warframe, ça rend un côté un peu complexe quand même, mais c'est hyper jouissif comme jeu, c'est super sympa, et honnêtement je regrette ça, je regrette rien. Et il y a aussi un autre jeu, bah, je l'ai vu passer sur internet. Bah, il est pas cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça, j'en parlerai pas pour l'instant. C'est un truc hyper récent, je crois que c'est sorti cette année, donc pour dire. Ouais, les dates de sortie des jeux, je les connais pas. Mais ce qui fait que sur The Division 2, avec toutes ces séries en même temps, je manque de temps, c'est une catastrophe. Là, normalement, dans cet épisode, je vais partir en raid normal, sauf qu'il me faut 1h30. Il faut compter un épisode d'1h30 pour un raid normal, minimum. Entre 1h30 et 3h. Et j'ai pas ni 1h30 ni 3h. Là, je commence à avoir la dalle, donc ce sera pas du raid normal. Donc, histoire de profiter un petit peu de l'arnaque, des aides envahies, on va faire du ménage. Parce que honnêtement, j'ai pas d'autre solution. Parce que la saison 4, on va voir, c'est l'arnaque, hein, c'est encore... Ah oui, putain, j'en suis encore là. Donc, ouais, je reste en normal, parce que en off, si j'ai le courage, je vais aller farmer toute cette zone de mi-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 
C'est quoi? C'est de la merde. Prends pas. On va aider. On va aider à faire du ménage. Hein, bonjour. Bah, moi, je vais faire du ménage. C'est les mecs, si vous voulez discuter, ils discutent ailleurs, mais c'est pas en DZ qu'on discute. C'est un multi-solo. Bonjour. Approchez-vous, c'est bien. Crétin de pinge. Pour être safe. Ah non, mais c'est... laissez-moi passer, si vous voulez. Merci. Aïe. En pleine gueule, celle-là. Merci. Aïe. En pleine gueule, celle aussi, encore, pour changer. Au moins, je les ai décidés, c'est bien. Ouais, j'ai gagné un truc. J'ai rentabilisé. Qu'est-ce que c'est? Où ça? Impulsion, oui, mais bah oui, mais bah oui. Je joue contre des joueurs, donc normal. Je fais un ménage avec ce build. Ah, oh, il est sympa le build. Bon, après, je suis pas seul à faire du ménage. Putain, par contre, la sensibilité, je galère. Tarapapoué, 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 tarapapoué. Et voilà, c'est réglé. Hop, emballé, c'est pesé. Bon, le stuff, je m'en fous. Stuff des Z. Je récupère rien, je me casse. Allez hop, on descend. Je sais pas, j'ai bien envie de tenter PVP, mais... Je préfère m'amuser en PVE. En fait, la DZ, c'est bien pour un truc. C'est un petit côté stressant s'il y a du loot, mais ça reste fun parce que le PVE est fun, en fait, le PVE est léger, fun, c'est bien. C'est pas trop dur, tu peux foncer dans le tas comme un coup. Ah, on peut donner Renégat ici? C'était le mec qui me suivait, peut-être? Non, aucune idée. Ah non, c'est au point de spawn. C'est au spawn qui se fout sur la gueule. Bonjour. Honnêtement, si vous voulez jouer un build full DPS, je vous conseille de jouer ce genre de build. Je vous le montrerai à la fin de l'épisode, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est... La régène est tellement élevée que ça rend bien. On peut rester en face d'un chien de guerre légendaire sans avoir trop de problèmes. Oh, j'ai foutu de la musique classique. Hein. Ouais, j'essaye d'être en rythme, ça marche pas. J'espère que vous l'entendez par contre la musique. Parce que si je chante tout seul comme un con parce que j'ai oublié de régler le son de la musique, je vais avoir l'air con. Bon, ça ne changera pas d'habitude. Ouais, je pense que l'épisode ce sera je me balade en DZ hein, en attendant d'avoir du contenu. Il est où? Ah bonjour. Elle est où, pardon? Excusez-moi madame. Je croyais que c'était pour vous. Une track, grade 0, on ira faire un tour. Je m'occupe d'eux et après j'irai faire un tour là-bas. Ah, Outrider m'a motivé, c'est dingue. Franchement, agréable. Je crois qu'avoir n'importe quelle session Division 2, j'aurais faire un peu d'Outrider. Ce jeu est motivant. Par contre, oui, si jamais vous en avez marre de Division, si jamais vous devez aller vous devez aller dessus, ou je sais pas, n'importe, mettez de la musique. Ça vous sauvera vos sessions de Division. Moi je peux pas. Moi je peux plus, sans musique je peux plus. Hein. C'est tout? Encore? Je sais pas où il est, mais je laisse. Il est en haut. Il est où? Aucune idée. Allez. La suite. Toujours en rythme. Enfin, j'essaye. Comme là. Aïe. Toi, tu dois être le boss, j'imagine. T'étais le boss. Aïe. Ouh, j'avais pris plein la gueule là. Aïe. Let's go. Let's go. Oh, le stun.
Je suis absolument pas ce qui se passe dans le chat. Cool. Une saison, ouais, trop bien. J'en ai rien à battre. Ouais, en plus, bon, en plus grosse zone, Herald. Parfait pour moi. Au moins, je loot de la PM, c'est bien. Bon, le seul défaut de ce build, comme vous voyez, c'est si je reste comme un glandu en plein milieu, ça marche pas, faut tirer. Contamination, qu'est-ce que j'ai? Rien. Rien. Merde. Va falloir que j'extracte ça. Ah mais non, PP19, non, j'ai mieux. J'ai celui que j'ai. Bon, la zone de track, elle est où? Ils sont où les renégats? Ils sont où? Ouais, mais il y a tellement de zones de track. Ils doivent être là, hein. Je pense qu'ils sont juste là. Comme des glandus, ils doivent être là. Là, ils sont là, regardez. Allez, on y va. Ça, la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, où il y avait des renégats à un point de spawn, oh, je me suis fait mais insulter. Parce que les mecs, ils étaient en train de farmer, je suis arrivé par derrière, Lady Death peut me coucher. Ça, c'était fun, ça. Oh, je me suis régalé. Et c'était un Italien. Je sais pas ce qu'ils ont dit. C'est dans l'épisode du problème avec deux Italiens. Ou je sais plus, ou une rencontre avec des Italiens, je sais plus comment je l'ai nommé, mais il y a Italien dans le titre. Et honnêtement, je me suis bien marré. Testé avec le scorpion. Je vais sûrement me faire poutrer la gueule, mais bon, pour ce que j'ai à perdre, c'est pas grave. Par contre, je dois aller où déjà? Je suis déjà perdu. Zone de track active. Cool, merci. Mais je m'en fous. Chut, concentre, concentre. Concentré, bien centré. Et sachez que sur cette chaîne, je suis hyper centré. Vous ne trouverez pas plus centré que Bibi sur cette chaîne. Là, ça serait gêne, hein, ça se fout sur les... Ça se fout sur la gueule, ça serait gêne. C'est très bien. Salut Volvic. Merde. Mais respect, on m'achève. Achevez-moi, merci. Merci. Il joue à quoi? Oh. Ah oui. Gros build solide. Mais eh, j'ai failli le coucher. Allez. Coucher. Ouais, je joue pas solide, hein. Si je tue pas de pin, j'ai pas de régène, donc. Oh, ils l'ont tué. Bah j'avais bien avancé, ça veut dire. Cool. Ok, militaire. Putain, mais les autres. Mais les autres, ils loutent des trucs! Ou toi là-bas? Ou toi là-bas? Si je peux avancer. Si, j'ai pas. J'ai... Au secours! Au secours! Je vais à la con. Je vais à la con. Merde! Bien joué. Bon, on se casse. Il y a du monde dans cette DZ, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et après, on avance. Ouais, bon. Bah, PVP, c'est pas encore mon truc. Hein. C'est pour ça que je suis venu en DZ au lieu de faire du conflit. Parce que PVP, pas pour Bibi. Ça me... C'est quoi cette émote? Ah, ça boombox! Oh putain, je suis juste con, excusez-moi, je suis juste débilus. On va aller donner un petit coup de pouce. Contre l'épine, ça va mieux, je gère mieux. Bonjour, excusez-moi, je vais faire diversion, je vais faire. Hop, bonjour, diversion! Et diversion effectuée. Ah la diversion. Voilà. C'est ce qu'on appelle une diversion. Bon, on se casse. Ah, je laisse le loot, hein. Pour ce que je loot, il n'y a que les données de terrain qui m'intéressent. Bon, on va où? Je vais où? C'est par où? Je suis perdu. Tintin. Ah, là, il y a des trucs. Il y a des pinges jaunes. Encore? Ah bah demi-tour. Et l'AKM que j'ai, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Ou pas. Et hop, AKM ça dégage. Putain.
Putain, je suis en train de me frigo. Je commence à avoir froid en plus. C'est-à-dire que j'ai pas allumé le chauffage, donc je commence à me peler. Donc, il est où, AKM? Enfin, bah, AKM, voilà. Volvic, il est où? J'imagine qu'ils sont toujours au point de spawn. Ouais, ils sont toujours au point de spawn. Ah, j'avais bien descendu, hein. J'étais content de moi parce que j'avais bien descendu avec le scorpion. On va réessayer. Bah, j'ai jamais... Par contre, allez savoir pourquoi j'ai jamais réussi à activer les zones de track. Jamais. Oh, j'ai rien à extraire, on s'en fout. Non, je rentabilise rien là. Là, honnêtement, je m'en fous de la rentabilisation. J'ai rien. C'est par là où je dois aller. Attendez, je suis en train de me paumer, je crois. Ah, je suis en train de copieusement me paumer en fait. C'est bien ce que je pensais. Il y a un truc qui arrive pas. Est-ce que je fais venir les renégats à moi? Ce serait complètement con, mais ça peut se tenter. Le problème, c'est que ici, j'ai zéro point de vue viable. Ouais, et là, je suis obligé de passer par là, parce que de l'autre côté, je vais arriver dans une zone de merde. Grade 4, waouh. Oh, l'XP que ça va me faire si j'arrive à le coucher. 430, ouais, 420, c'est bien. Putain, je suis déjà perdu. Oh, une catastrophe. Il est en face ? Putain, je vais suivre le GPS comme un débilus, je vais repasser devant. Je vais me faire poutrer, ça peut m'arriver. Ça m'arrive souvent. Ok, je le vois. Allez, viens vers moi. Il bouge vite, je trouve. Diversion, c'est parfait. Merde. Oui. Je l'ai couché. Je m'en fous. Je résisterai plus longtemps. Yes. 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 Yes, le scorpion. Le scorpion, la victoire. On s'est entretué, mais je m'en fous. Le dos du scorpion a marché. On a tout gagné. Ouais, non, mais là. Non, mais là, quand même. Tiens, je suis gentil. M'en occupe. Oh, 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 oh. Are you okay? Are you okay? Putain, cette zone est bloquée. C'est n'importe quoi. Ça mise bien. Ouais, juste avant de faire le con, par contre, j'aimerais vérifier ce détail. Défi accompli. Ouais, merci. Ah merde, ça c'était un renégat. Fallait que je. Non, mais c'est en général quand je suis dans l'inventaire que ça arrive. Hop, allons-y. Ça, un DZ, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Oui. Ah, le voilà. Putain, c'est bugué. Aïe. Ouf mes dots. Merci. C'est rigolo ça. Ça sert à rien. Ah derrière. Non, ça je crois que c'était un. Je crois que c'était un renégat. Sort en don de dessous. Oh, je vais chercher des pinges. On va ramener des Black Tusk à la fête. Enfin, je vais essayer de les ramener. On va essayer de les ramener. Si j'arrive à ramener 2-3 rushers, juste pour foutre la merde, ça peut être drôle. Coucou! Allez, venez! Viendez les pinges! Viendez! Je les ai excités exprès. Allez, viendez! Allez! Oh, les tusks, faut chier! Un peu d'animation. Il y en a un qui approche, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, ils s'amusent en bas, donc on va aller les rejoindre. Ça s'amuse, ça fait mumuse. Aïe.
J'ai... Oh tiens, bah bouffe, brûle. Fire. Brûle. Des gens qui brûlent. Are you okay? Oh, I'm not okay. Je sais pas pourquoi je me régale là. C'est de la merde, je fais de la merde, mais c'est fun, ça change. Mais ça, c'est un truc que je vois de plus en plus sur Division 2, des gens qui font de la merde. J'adore le principe. Bonjour. Je suis dans la tour. Ah bah oui, mais moi aussi, je lag à mort. Ah, mais moi, ma connexion, elle est à la ramasse, c'est dingue. Oui. Putain, moi, je lag, je glitch, je suis coincé dans tous les trucs. Ah. C'est pas lui, c'est lui. Waouh, le massacre. Allez hop, on abandonne, c'est pas grave. Abandonne, c'est pas grave. Bonjour. Ouais, non, pas bonjour. Tiens, bouffe-le. Aïe, aïe, au secours, au secours, au secours, je suis glitch. Bah oui, je me suis glitch. Dans un putain de sac de sable. DZ, c'est mort. S'en fout, on abandonne. Stat, regardez en bas. Connexion au serveur instable. Plus d'informations. Il n'y a que sur ce jeu. Et on y retourne. Je suis maso, j'y retourne. Putain, mais comment ils font? Mais moi, je glitch à mort dans cette zone, c'est mort. Mais laissez-moi spawn un peu. Bon, on va pas spawn ici, c'est pas grave. Ouais, c'est une mauvaise idée. Mais comment ils font pour se déplacer aussi, de manière aussi fluide? Vous avez vu la galère que j'ai? Je me glitch dans tous les objets, moi. Bon, on va se casser de cette zone-là. Je vais prendre celle-ci qui est assez proche. On va aller par derrière, par derrière. Parce qu'ils s'attendent à me voir respawn là. Là, bon, je spawn à côté. Allez, dernière tentative. Et je pense que ça ira. La balade de la Destroyed. La balade du scorpion en DZ en musique. Parfait. Moi j'ai une connexion, j'ai une connexion internet, c'est quoi? Ah, par contre, aussi un truc qui me frustre terriblement. Je suis encore en DZ? Oui, je suis en DZ. C'est quand j'entends des gens dire « Ouais, mais la fibre, c'est de la merde. » Connard. C'est parce que moi, j'ai une connexion, je suis en ADSL. Même pas ADSL 2. Hein. Non, j'ai refait des vérifs. Éligibilité ADSL. Même si j'ai un endroit, enfin j'ai une possibilité d'avoir une ADSL, correct. Classiquement, je tourne à 200, moins de 200 kilooctets par seconde en téléchargement. Donc les mecs qui me disent, ouais, moi j'ai la fibre, merde, et déconne, va te faire foutre. Ma seule réponse, c'est va te faire foutre. Je sais pas par où je vais arriver, mais c'est peut-être pas la bonne idée de passer par là. Si j'arrivais à ramener une patrouille, ce serait divin. Une patrouille pour faire diversion. Ok. Oui, bon, ils font un peu mal. Mais comment ils font pour se déplacer de manière aussi fluide? Juste leur stuff. Ah, ouais, effectivement. D'accord, je vois comment ils jouent. Bah, effectivement, stuff PVP, y'a que ça. Mais PVE, okay. DPS, ça marche bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie, j'en ai marre. Non, mais j'ai rien. En fait, j'ai pas d'intérêt à faire le con là et à rester. Non, je vais arrêter. Je pense que ça suffira pour un petit épisode à l'arrache. Je pense que c'est pas mal. Parce que oui, je veux pas faire de gros épisodes parce qu'il faut que je le publie très rapidement. Oui, on tourne le 4 mars et en gros, je dois le publier le 4 mars. Enfin, plutôt le 5. 5 au matin. Ça va être complexe. Mais c'est faisable. Mais honnêtement, c'est faisable. Donc c'est pour ça que je vais pas continuer plus que ça. On va rester ici, on va se mettre à l'entrée, ça sera très bien. La Lion Kennedy dans la Dark Zone. Parfait. Ensuite, une petite émote. Parfait. Je suis à peu près bien cadré, en plus c'est nickel. Bon, ben les gens, en attendant, si cet épisode de la balade dans des Z vous aura plu, ah oui, c'est pas du gros contenu, en attendant que je puisse sortir, enfin que je puisse tourner du gros raid, du gros légendaire, du gros machin, du gros patin couffin, c'est pas gagné, mais dès que je peux, j'en fais, promis. c'est parce que j'ai trop de séries en même temps.
Là, en gros, en ce moment, je manque de temps pour les tournages parce que je fais d'autres choses en même temps. J'ai d'autres trucs que je prépare pour moi. Donc voilà, dans l'idée, ça me. Voilà. Et. Je suis obligé. Oui, voilà, eux. Je peux juste copieusement les ignorer. Et donc, voilà, ça rend un peu les tournages compliqués. Mais ça devrait revenir d'ici un ou deux jours. Ce qui fait que. Division 2, à part les gros tournages, c'est. Voilà. C'est comme si au FIF que j'avais dû arrêter pendant un moment parce que ça me prenait 3 heures de tournage et j'avais pas le temps. Et j'avais plus non plus la place sur le disque dur. C'est pour ça que là, Division 2, là dans DZ, parce que j'ai plus de contenu. Et parce qu'en une demi-heure, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Du raid, ça fait 5 fois que j'en fais et que 5 fois que ça marche à peu près. Et d'ailleurs, je vous renvoie aussi sur l'épisode 129, parce que sur l'épisode 129... Oh oui, je sais ce que je ferai pour le prochain épisode, si j'ai pas le temps. Parce que sur l'épisode 129, il y a une putain d'arnaque. Sur le raid Heure Sombre, normalement, les tanks en découverte spawnent l'un après l'autre. Ils vont sur leur tourelle, machin, l'un après l'autre, et activent les mortiers l'un après l'autre. Mais avec un temps mort entre deux. Je me suis retrouvé sur l'épisode 129, à la fin de l'épisode, à la fin du raid, avec deux tanks en même temps. Et comme toutes les alarmes du raid étaient actives en même temps, on ne l'a pas entendu, personne de la team ne l'a entendu. Moi, je l'ai compris trop tard. Et quand je suis arrivé dessus, c'était foutu, on s'est fait défoncer. C'était une arnaque mais divine. Après je me suis vengé. Hein. Épisode 130 c'est la vengeance. Hein. C'est le chouffrance dans le tas. Je défonce tout ce qui passe à ma portée. Et comme j'étais à peu près avec le seul build DPS, j'étais le seul à faire un DPS correct. J'ai fait un massacre. On était deux je crois avec un stuff DPS. Bref. Bon ah oui en fait je jette un coup d'œil à un truc et après je vais aller grignoter un truc parce que je commence. Là j'ai vraiment la dalle. Donc, avant de rentrer en hypoglycémie, optimisation, où est-ce que j'en suis? Ok, que j'en suis. Scorpio, est-ce que je peux l'optimiser? Oui, je peux l'optimiser à 15, mais c'est de la merde, ça coûte trop cher. Berceuse, je peux l'optimiser à... Ouais, à rien. Berceuse, je peux pas l'optimiser, c'est pas grave. Le Mantis, non merci. Le fusil d'assaut, le Bighorn, non merci. Putain, 12-2, c'est tout? Ouais, mais c'est arnaque. Au fureur du chasseur. Sérieux? Sérieux? Ça, ce serait plutôt... La putain, mais c'est arnaque. Mais c'est arnaque. Mais qui c'est que c'est arnaque? Bon ben... Merde, c'est... Mauvaise émote. Pas la bonne non plus. Parfait. Parfait. Bon, les gens se quittent là. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de Division 2. Je sais, c'est de l'arnaque hein, comme épisode, mais je m'en fous. Et en fait, j'ai pas le choix non plus. Y a pas que le fait que je m'en fous. C'est surtout que. Pas le choix. Oh, si, peut-être pas trop d'arnaque. Peut-être un peu moins d'arnaque. Et merde. Bon, on sait ce que j'aurai à faire pour le prochain épisode. Allez-y.